Peggy 3. Bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Game de Chaland. Donc c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. On a eu très peu de jeux, très peu de sorties cette année. On est là au mois d'avril, on est fin avril. Je n'ai pas eu le temps de vous faire tester et vous expliquer comment je trouvais le nouveau Gran Turismo. Donc on est là pour le Gran Turismo, comme vous avez pu voir sur la bande-annonce juste avant. Donc graphiquement, il est exceptionnel. C'est un très 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 bon jeu. Ça mélange simulation et arcade parce que c'est très facile à jouer, mais c'est plus axé simulation avec des données propres à Yamauchi, le créateur du jeu. Apparemment, ce serait le dernier Gran Turismo. Il va y avoir des mises à jour assez complètes, apparemment. Donc, on le trouve déjà d'occasion dans les magasins Dynamic Game. Certains le vendent d'occasion ou en échange. Et puis, en neuf, il est à 69€. Donc, ce que vous entendez derrière, c'est le Gran Turismo. On va faire un petit tour rapide pour voir ce que ça peut donner. Mais vous allez voir, je pense que c'est un jeu incontournable de la PlayStation 5, bien sûr. Il sort aussi sur PS4. Donc, sur PS4, sur PS5, vous l'avez sur PS4. Et si vous passez sur PS5, vous aurez la possibilité de faire les mises à jour, donc gratuites apparemment pour certains et payant pour d'autres. Alors on ne sait pas trop, Sony sont un peu dans le flou là-dessus. Mais vous allez voir, c'est un jeu assez exceptionnel. Allez, c'est parti. Alors voilà, début du jeu. Pour vous faire patienter, vous n'avez pas accès à la carte du monde. Au début, vous n'aurez accès qu'au rallye musical. Donc c'est quoi le rallye musical? Parce que l'installation du jeu est quand même relativement longue. Vous devez réaliser, sur le temps de la musique, vous devez faire le plus long métrage, le plus long parcours avant que la musique s'arrête. Donc avec des voitures et des tenues de route bien différentes. Sur là-dessus, sur une Toyota, là sur un Speedster 356 Porsche, là Honda S800 qui tient très très bien la route. La Shelby Cobra, je vous explique pas, si vous avez aucune assistance, c'est très compliqué à conduire. Sur l'Alpine et là sur la 2000 GT de 1967. Allez, on va vous faire un petit coup d'Alpine. Allez, on va rester bien français. Voilà, je vais vous faire hop, et là ça vous permet de patienter avant l'installation du jeu parce que l'installation du jeu est vraiment très longue même si vous l'avez en CD. Donc la vie intérieure est toujours aussi magnifique. Vous voyez sur le temps de la musique, donc vous avez des bornes qui vous permettent, hop, waouh waouh waouh, là il aurait fallu que je double avant, voilà, je suis pas en condition optimum, et voilà. Vous gagnez du temps de musique et il faut aller le plus loin possible et essayer de finir sur 8400 mètres. Donc il faut en faire quelques, faut faire quelques tours quand même. Ils ont la gentillesse de nous laisser des véhicules relativement puissants. Moi je vous conseille de connaître la tenue de route du véhicule, sinon c'est pas évident. Bon, l'Alpine ça va, c'est relativement simple à gérer. Vous voyez, enfin on a la possibilité de hop, regarder sur les côtés. Rapidement, vous avez pu voir. Je vais vous montrer ça après le virage. Si vous avez des tirs qui viennent à droite ou qui viennent à gauche. Ouf, 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 ouf. Là, je vais pas faire un record. Vous voyez, on va à gauche, on va à droite. Ça permet de mieux anticiper les déplacements. Turismo 7. Donc en fait, oui, je ne vous cache pas que j'ai bien avancé dans le jeu. Je comptais vous le présenter avec mon petit stagiaire en bac pro commerce, notre ami Martin. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Un peu trop de travail. Il y a beaucoup de magasins qui sont en train de s'implanter dans la chaîne Dynamic Game, donc ce n'est pas évident. Donc voilà, donc, c'est des choses que vous pourrez débloquer tout au long du jeu. Donc là, le garage, le GT, l'atelier de préparation, le mode multijoueur. Donc il y a encore un salon
J'ai pas pu, ce serait pour les voitures vintage, les voitures rétro qui se trouvent entre les deux, voyez. Donc ici, on a le brand central, c'est pour les voitures qu'on peut acheter, les voitures les populaires, voitures d'occasion. Ici, le centre des permis. Donc je vous explique pas, il y a encore le retour des permis, c'est assez compliqué. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration rapide du jeu. On n'est pas en condition optimale pour exploiter le jeu à son potentiel, là, sur une image 4K, mais vous allez voir, graphiquement parlant, c'est magnifique. Donc si on va au garage, déjà, ça vous permet de faire un petit tour de tous les véhicules que vous pouvez récupérer, bien sûr. Donc il y a énormément de véhicules, il y a 400 véhicules. Donc là, c'est une américaine, hein, forcément, un 5 litres. Donc c'est une Mustang. Terrible. Donc des petits cadeaux. Alors effectivement, quand vous ferez ce passage-là, on va retourner au... Voilà. Donc vous pouvez finir le jeu avec la partie café. La partie café, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vous accueillir et qui va vous demander de passer tous les menus. Les menus sont composés de différents challenges, différents véhicules. Vous allez pouvoir en faire certains. Vous allez pouvoir aussi passer par les permis, faire des courses en ligne sans passer par ça. Mais pour débloquer le jeu au fur et à mesure, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par le menu. Alors si vous finissez le menu, vous finissez le jeu. Le problème, c'est que vous finirez le jeu. Mais vous finirez pas toutes les épreuves. Donc il y a des gens qui vous donnent des conseils sur la tenue de route, l'amplitude, le freinage. C'est vraiment très très complet. C'est pour ça que ça mélange arcade et simulation. Moi je suis plus au niveau arcade. J'ai discuté avec différents amis qui font un peu de pilotage sur route. Et sur circuit aussi bien sûr, mais surtout sur circuit. Et apparemment c'est très très proche de la réalité. Donc là on a les circuits mondiaux. Donc européen, asiatique, on a les championnats de France, ça c'est les championnats que vous pouvez débloquer au fur et à mesure, donc c'est des parties assez longues. Là il vous faut différents permis pour pouvoir y accéder, donc normalement j'y ai accédé, mais j'essaye d'avoir tous les permis en or. Donc si on va en Amérique, donc vous avez un voyage tout autour du monde avec différents circuits, différents challenges. Quand vous rentrez dans un circuit, si on prend un circuit basique, on part sur un circuit ovale. Voilà, on finit premier, récupère une coupe, il n'y a pas de limite tout en haut, vous voyez, c'est marqué qu'il n'y a pas de limite, c'est en 5 tours, donc vous pouvez prendre n'importe quel véhicule, d'autres vous aurez des limites, comme dans les anciens Gran Turismo, sauf que celui-là, bah, il est beaucoup plus complet. Hop, là vous voyez, vous avez uniquement en américaine, donc si je veux faire une course, forcément, allez, au hasard, donc, le circuit est assez simple, on ne saute pas, donc avec une américaine, c'est pour vraiment vous donner un peu... L'envers du décor, les petites parties, je vous laisserai exploiter le jeu. Moi, je vous invite à l'acheter parce qu'il est vraiment très très complet. Hop, c'est parti. Donc, vous pouvez configurer en vue intérieure ou en vue extérieure. Au niveau de la sonorité, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez exceptionnel. Donc là, moi, je conduis à l'ancienne avec la croix directionnelle, la croix pour accélérer, le carré pour freiner. Et la tenue de route est super respectée. Et voilà, et ça commence mal. Donc vous avez cette vue-là. Donc faut pas croire qu'ils jouent en ligne comme les anciens Gran Turismo. Les ennemis essayent d'optimiser leur vitesse et essayent de gratter quelques places, forcément. Les pneus vont pouvoir déraper quand vous dérapez vraiment, quand la tenue de route est pas bonne, comme là par exemple. Vous voyez, hop là. Et là je vais partir en tête à queue. Donc même avec des pneus assez exceptionnels et bien larges. La voiture est beaucoup trop puissante, c'est normal, hein, c'est une américaine, c'est une muscle car. Mais au niveau tenue de route, au niveau accélération, ça va être différent d'une propulsion, d'une traction, d'une 4 roues motrices. Là, c'est vraiment très compliqué à contrôler. Vous voyez, on lâche un peu l'accélérateur et on appuie et ça tient la route. Les ennemis ne sont pas à la queue de deux. Ils vont essayer de se doubler, prendre un peu d'aspiration. Si vous en percutez un, je ne sais pas si je le fais maintenant. Il va pas hésiter à vous percuter après. D'ailleurs, je sais pas, c'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Ouh! Donc très peu de dégâts. Vous allez voir sur le véhicule, on a très très peu de dégâts, mais on a un peu de dégâts. Comme d'habitude, c'est du Gran Turismo, hein, donc forcément, il n'y a pas de dégâts. Par contre, au niveau design, tenue de route, graphisme, c'est exceptionnel. Le nombre de voitures, c'est exceptionnel. Le nombre de circuits, c'est pareil, c'est énorme. Surtout que les mises à jour seront gratuites, les nouveaux véhicules seront gratuits. À chaque nouveau salon, tout sera gratuit. Franchement, terrible de chez terrible. Alors, on va voir si on peut pas avoir une autre vue. Voilà, en vue basique. Casual gamer. Ouh!
Alors, sur le centre des permis, on peut y rentrer. Donc, je ne vous cache pas que ça fait longtemps que je ne suis pas revenu. Avec le travail, ce n'est pas évident. Vous avez différentes épreuves qui vous permettent de débloquer forcément des permis et des courses. Donc là, vous voyez, je suis en train de passer le permis international B. On a essayé de tout faire en or. Est-ce que j'ai tout mis en or? Je me souviens plus. Non, voilà, s'il me passe cette épreuve. Alors, soit vous avez l'assistance, soit vous êtes en expert, soit vous n'êtes pas en expert. C'est assez compliqué, celle-ci, pour l'avoir en or, par exemple. C'est de là où ça commence à être compliqué. Après, vous avez trois modes de jeu différents. Vous avez un mode de jeu vraiment débutant. Vous avez un mode de jeu intermédiaire et expert, où là, vous n'avez aucune assistance. Vous pouvez aussi changer pendant la course, pendant la piste. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Et voilà. Donc là, vous pouvez aller directement sur le jeune homme qui va vous donner quelques conseils à viser d'ailleurs. Vous voyez, hop, et on peut directement, soit on a une démonstration pour voir ce qu'il y a à faire, soit vous le faites à l'arrache et sans assistance. Donc là, vous voyez sur le côté gauche, on peut moduler un peu. Hop, voilà, on peut moduler. Voilà, il faudrait freiner ici. C'est compliqué. Waouh, dans le chou, c'est fini. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Là ici, c'est en bas à droite, vous avez le taux d'assistance. Si vous voulez faire des records et pouvoir tout passer en or, il faut que vous diminuez cette partie-là obligatoirement. C'est vrai qu'au niveau tenue de route, là, ça part en crabe tout de suite, mais par contre, ça vous permet de prendre des virages à des vitesses assez impressionnantes. J'ai réussi à passer certaines épreuves grâce à ça, d'ailleurs. Donc, je vous conseille de diminuer l'assistance un maximum ou de la mettre à fond, parce que vous avez aussi la possibilité de la mettre à fond. Bon, bah, j'arrête là parce que je ne suis pas concentré. Hein. Donc, vous avez une autre sorte de permis, c'est des épreuves, en fait, tout simplement des missions, mais façon permis. Et là, je peux vous dire que c'est tendu. Donc c'est par rapport au nombre de menus, niveau de collectionneur que vous avez pu avoir. Vous voyez, ça va se débloquer. Il y en a des nouveaux qui s'affichent au fur et à mesure. Donc tout au long de l'année, on va vous offrir des nouvelles épreuves, etc. Donc là, forcément, tout en or, des épreuves de permis. Donc plus ou moins faciles. Bon, du dépassement, de l'aspiration, du dépassement. C'est assez complet. Donc cette partie-là, forcément, vous pouvez finir le jeu sans effectuer cette partie-là. Donc c'est... Et puis... Vous passez les menus, les listes, et plus c'est compliqué, forcément. Alors, petite partie, hop, donc là les circuits du monde, ici le garage, là ici c'est les préparations moteurs. Donc vous pouvez débloquer différentes étapes tout au long du jeu, grâce au menu, à la liste des menus. Donc au début on commence en sport, après on a du club, après on a de la suite course, autrement on a de la course, et après de l'extrême. Donc forcément les pièces extrêmes sont très très performantes, permettent d'améliorer les véhicules, mais attention d'avoir l'amélioration appropriée par rapport au véhicule que vous utilisez, forcément, que ce soit une propulsion, une traction, une 4 roues motrices. Donc c'est assez poussé. Et effectivement, bah, tous les gens qui aiment bien l'automobile, tous les bagnolards, un peu comme moi, eh bien, je pense que vous allez pouvoir faire des choix très raisonnables qui vous permettent d'optimiser à moindre coût votre véhicule pour pouvoir faire des courses vraiment très facilement, pouvoir doubler tout le monde très facilement sans trop vous prendre la tête. Et certaines épreuves, bah, vous êtes limité au niveau puissance, donc vraiment optimiser comme il faut. Donc là, vous avez la partie voiture d'occasion. Donc, qui apparaissent et qui disparaissent. Attention, c'est mis à jour régulièrement, vous voyez. Donc, c'est mis à jour. Il faut pouvoir les acheter quand vous avez assez de trésorerie. Ça vous permet d'effectuer certains véhicules. Il peut augmenter votre collection, hein, tout simplement. Des belles Porsche. Donc, voilà. Hop, à des prix plus ou moins raisonnables. Certaines kilométrées, pas d'autres kilométrées. Ça vous permettra d'acquérir certains véhicules que vous pouvez pas avoir. Alors cette partie-là, ça va être pour prendre des photos de votre véhicule. Vous pouvez choisir votre véhicule préféré, prendre différentes photos sur différents angles. Ça aussi, il y a des grosses mises à jour qui sont prévues tout au long de l'année. Gratuites, je le répète. Et on va aller à la partie sport. Donc la partie sport, pour les courses en ligne, les courses quotidiennes, le défi où je vous conseille honnêtement, vous voyez, on peut participer à une course en ligne directement. Il nous reste 5 minutes avant de s'inscrire. Là, il faut être préparé, il faut être entraîné. C'est vraiment pour les puristes, vraiment pour les gens qui connaissent bien le circuit, qui connaissent bien les véhicules, qui est référencé. Allez, on va faire un petit tour pour réceptionner la messagerie. Vous voyez, une toute petite enveloppe. Et on peut acheter aussi des véhicules neufs dans cette partie-là. Donc forcément, il y a 400 véhicules, donc ça vous fait un paquet. Si on va en Europe, hop. Allez, au hasard, on va chez Porsche. Ma marque de prédilection, vous voyez graphiquement c'est une tuerie absolue.
Voilà, une invitation avec une deck d'expiration. Ici, vous avez tous les véhicules que vous avez possibilité d'acheter, avec les performances sur votre droite, le prix, les couleurs que vous pouvez acheter. Très beau modèle. Forcément, les voitures électriques, je vous invite d'essayer, ça vous donnera une idée. Bon, bon, vous n'avez pas forcément l'association de pression dans le véhicule, mais par contre, graphiquement, c'est magnifique. Voilà. Après, on parlait sur différentes marques, vous avez l'historique, ce qui s'est passé chez Porsche, etc. On peut aller chez Ferrari, ici. On peut aller chez Citroën, on peut aller chez DS, chez Renault, etc. Les belles sportives. On peut accumuler de l'argent. C'est vrai qu'il y a eu des mises à jour qui étaient un peu compliquées, qui ont fait ralentir le jeu. Mais bon, c'est forcément, dès qu'il y a une mise en ligne d'un jeu, il y a des kibanas qui s'amusent à shooter le réseau. Donc forcément, c'est pas évident. Alors, une petite partie GT, la petite partie GT, voilà, vous pouvez laver le véhicule. Donc quand effectivement votre véhicule, vous voyez, tout en bas à gauche, vous allez voir, au niveau entretien, excellent, moteur excellent, et rigidité de la carrosserie excellente. Vous pouvez le nettoyer pour gagner un peu de chevaux, changer l'huile, etc. Comme un entretien de véhicule classique. Donc, comme vous avez les anciens Gran Turismo, vous avez aussi la partie préparation. Hop là, on va y revenir. Partie préparation de voiture. Alors là, c'est assez énorme parce que les possibilités sont infinies. C'est un truc de barjo. Je ne m'y suis pas attelé, mais apparemment, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez me préparer vos véhicules, personnaliser vos véhicules avec différents logos. C'est vraiment très 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 impressionnant, toutes les possibilités qu'il peut y avoir sur ce jeu. C'est vraiment, ils ont vraiment poussé le bouchon super loin. Donc ici un mode multijoueur. Donc c'est celui-ci qui a causé quelques problèmes en réseau, c'est pour ça qu'il y a eu des mises à jour. Et c'est pour ça qu'au fait le jeu a été fermé pendant une ou deux journées à sa sortie à l'époque. Donc il y a quelques mois. Donc il y a un mois d'ailleurs exactement, ce qui est sorti le 4 mars 2022. Et voilà ce qu'on pourrait vous dire sur Gran Turismo. Et voilà ce que peut donner le Gran Turismo 7. Honnêtement, je vous le conseille, il est exceptionnel. Donc c'est pas du niveau d'un Assetto Corsa Competition qui va être vraiment très compliqué à jouer, qui va être vraiment très 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 simulation. Là, c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité quand vous prenez un véhicule et vous le conduisez. Donc vous n'avez pas les sensations de vitesse et de pression à l'accélération. Mais par contre, avec un volant, c'est exceptionnel. J'ai un ami Cyril, une dédicace à Cyril, qui a acheté un volant dernier, là, un Logitech, je crois. Donc, c'est un beau volant quand même. Il y en a d'autres qui essayent avec du Fanatec, ils ont raison. Franchement, pour moi, le meilleur jeu de voiture qu'ils ont pu sortir dernièrement. Et la durée de vie du jeu énorme, que je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit précédemment. Avec les nouveaux, il y a le salon de l'auto qui devrait arriver normalement au mois de septembre-octobre. Vous aurez 250 véhicules gratuits, 250 véhicules et des nouvelles pistes gratuitement. Les mises à jour sont gratuites et ça, c'est exceptionnel. Donc, merci à Kadunari pour la création de ce jeu. J'espère que ce ne sera pas le dernier, apparemment c'est le dernier. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres tests de jeux vidéo. À très bientôt, au revoir.